France-Maghreb. Le grand forum avec à la une aujourd'hui en ce jeudi 19 décembre. Investiture, c'était ce matin, du président algérien. La main tendue d'Abdelmadjid Tebboune vers l'Irak suffira-t-elle à faire cesser les manifestations? On en parle dans quelques instants avec vous au 01 40 33 9000. Invité du jour, Gamal Abina, Abdeslam Itach. Le zapping pour tout savoir de l'actualité. Commenter et réagir sans oublier, et il est important, le quiz en fin d'émission. Un petit tour par le Palais des Glaces, à présent avec un humoriste que vous connaissez bien maintenant, Amine Radi. Salut Amine. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Très très bien, merci, heureux de t'accueillir Amine. Amine Radi, donc, qui fait un showcase au Palais des Glaces. Présente-nous un petit peu ce qui va s'y passer là dans quelques heures. Bah, on va rire. Je vais raconter des blagues et les gens vont rire. Très bien. Ça, c'est un peu le principe d'un humoriste en même temps. Exactement. En fait, je parle dans mon spectacle, je parle un peu de tout. Je parle de ma vie, je parle de la première fois que je suis venu en France, comment j'ai atterri ici. Je suis venu pour les études. Après, je me suis retrouvé à faire de l'humour, je me suis retrouvé sur scène. Donc, je parle un peu de tout, de ma vie et je parle de tous les pays que j'ai découverts grâce à mes spectacles. Et je parle un peu comment je me suis lancé dans l'internet. Et je parle un peu de tout. Alors Amine Radi, c'est pour annoncer aussi à partir de mars, je crois, quelques dates au Palais des Glaces. Exactement. À partir de mars, on fera deux, trois fois par semaine. Quel est l'avantage de cette salle, Amine Radi, pour un humoriste comme toi, le Palais des Glaces? C'est une belle et grande salle. Franchement, c'est une belle et grande salle. Et je me rappelle, le premier spectacle que j'ai vu ici, c'était le spectacle de Gad Elmaleh, Décalage. Il avait joué ici. Ah oui, on s'en souvient. Palais des Glaces. Ouais. Et du coup, c'est cool, Palais des Glaces, c'est une salle mythique qui existe depuis longtemps et les plus grands, ils ont joué ici. Et franchement, bah, je suis à la salle là tout de suite. Là, c'est une grande scène et la salle, elle est magnifique. Ouais. Sinon, Amine, on va rappeler aux auditrices, auditeurs qui ne te connaissent pas, qui peuvent aller te voir évidemment sur YouTube, sur tous les réseaux. Amine Radi, franchement, c'est à mourir de rire. Les petits sketchs assez sympathiques. Moi, j'ai bien aimé celui avec la femme algérienne. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et c'est très sympa. Et donc, toi, tu es passé par le Comedy Club, hein, comme maintenant la plupart des artistes. Hein. Ouais. Je suis passé au Comedy Club il y a 2 ans, exactement. Et après, c'est là où je me suis lancé je me suis lancé bien avant. Après, je voulais faire le Comedy Club. J'ai réussi à le faire. Ça s'est très bien passé. Et depuis, j'ai écrit mon spectacle. Et aujourd'hui, il est prêt. Il est prêt. Il est chaud patate, Amine Radi. Donc, en showcase dans quelques minutes dans le Palais des Glaces ce soir. Et donc, pour le grand public, ça sera à partir du mois de mars avec quelques dates. Ça te fera l'occasion de venir nous voir à la radio, mon cher Amine. Oui, bien sûr. Et toi aussi faut que tu viennes à mon spectacle. Avec grand plaisir, Amine. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite et à très très bientôt. Merci beaucoup, Amine. Merci aux auditeurs et bienvenue à 21h30 au Palais des Glaces. Merci de nous avoir accordé quelques minutes en pleine répétition. Encore. On sait que c'est pas facile. Salut, Amine. Bon courage à toi. Merci. Voilà, Amine Radi, l'humoriste qui fait son showcase ce soir à partir de 21h30 au Palais des Glaces. Il y aura d'autres dates évidemment au mois de mars sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Le grand forum, évidemment, on va prendre la direction d'Algérie. Ça y est, l'Algérie a un nouveau président élu. Le grand forum, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est parti jusque 18h, ravi de vous retrouver. Votre source d'actualité au quotidien sur France Maghreb 2 jusque 18h. Avec aujourd'hui, pour m'accompagner, monsieur Abdeslam Itach. Bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. Monsieur Gamal Abina, comment ça va Gamal? Ça va très bien toi Christophe et l'équipe. Ça va promettre un petit quiz de sympathique à la fin de l'émission le là. Le choc des titans. Le choc. que je vais perturber. Monsieur Mamie, bonjour. Bonjour, je suis là à la demande de monsieur Hicham Terrak. Ah oui? C'est lui qui m'a dit, faut aller aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui se passent en Algérie. Ouais. Donc, monsieur Mamie, faut y aller. C'est bien, le mec ne vient jamais au grand forum et se permet de dire, faut que tu viennes. C'est bien. Moi, je pensais que t'étais là pour compter les points au coup. Abdeslam, commence pas la provoque. Bon, alors, messieurs, ça y est, l'Algérie a un nouveau président. Depuis ce matin. Oui, officiellement. Oui, officiellement. Élu. Pour le serment. Voilà. Il a pris ses fonctions ce matin. Il s'appelle donc monsieur Abdelmadjid Tebboune. Il a été élu et non pas désigné comme l'indique la presse, en particulier en France. Les mots ont leur importance, hein, quand même. Parce qu'on parle de désigné en parlant de Tebboune alors qu'il a été élu. Ce sont quand même 10 millions d'Algériens qui se sont déplacés pour aller voter. C'est quand même pas rien. Il a eu, comme dirait Soufiane, 4 950 000. 4 950 000 personnes qui ont voté pour donc ce président, qu'on soit d'accord ou pas. Ça représente 20% du corps électoral,
bon gré mal gré, ça représente en gros ce qu'a fait M. Macron au premier tour en France. Voilà. Et personne ne dit que M. Macron n'est pas légitime. Bah voilà, c'est ça. Après voilà, la majorité qui ne se déplace pas. À la tort. Voilà. Les gens qui ne votent pas perdent le droit de se plaindre. Bon, après, il faut être sur un point. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a, gamin? 5 candidats, 5 membres du système, ça peut déranger la majorité. Moi, je comprends qu'ils aient la rage. C'est logique, parce que quand même, ils arrivent à 5 à la course. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet. Je me mets à la place d'un opposant qui dit, je veux une nouvelle figure, il voit 5 figures anciennes. Je les comprends. Enfin, qu'est-ce qu'il a proposé, lui? Bah, il propose rien, malheureusement, bah voilà, parce qu'ils n'ont pas fait monter de candidat. C'est tout le problème. Moi, si tu permets, juste sur le terme même, membre du système. C'est assez accusateur et moi ça m'embête beaucoup parce que à partir du moment où on a pris des fonctions ministérielles, qu'on a pris des responsabilités, ça veut dire qu'on est marqué au fer rouge comme membre justement d'une caste. Moi je l'accepte pas. Ça veut dire que si demain d'aventure je venais à prendre d'autres fonctions, je serais moi aussi marqué membre justement d'une communauté élite ou élitiste de la politique. Je pense qu'il faut se défaire de ça. On a de façon légitime 5 candidats qui sont présentés et les électeurs ont été votés et des urnes est sorti un vainqueur qui aujourd'hui a été investi président de la République. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis là. Tu as le droit. Parce que oui, encore, c'est inquiétant. Ça voudrait dire qu'on est chez les soviets là. Sur France Maghreb 2, on a le droit. Voilà, donc le truc c'est que faut quand même se mettre dans la position des gens. D'abord, c'est un pays qui a 70% de gens qui ont moins de 30 ans. Oui, mais toi, t'es pas les gens. Non, mais Gamal, je parle pas des gens, je parle pas de moi. Qui a une grande. Oui, enfin, qui prend de la hauteur politique. Oui, mais c'est pas le problème, c'est pas de prendre la hauteur. Il faut comprendre ce qui est entendu de l'autre côté. Il faut être honnête quand même. Bah, si on disait tout ce qui se dit. Non, je parle de l'immense majorité qui a dit on veut sortir du système. Je les comprends. Et. Après, c'est une position qui se défend, mais de dire ils sont marqués au fer rouge parce qu'ils étaient dans le système, bah oui, c'est normal. Quand on est dans le système, on est marqué au fer rouge. Après, il y a une autre chose. Aujourd'hui, bon, le fait est établi que Tebboune est à la tête de l'État algérien, quelles que soient les modalités de l'élection, quelles que soient les conditions qui ont conduit à l'élection, il faut rappeler qu'il y a quand même une élection avant l'élection. Il y a eu 20 candidats présentés, 5 sélectionnés, tous membres de l'ancien système. Donc là, c'est un vrai problème, là. Je t'arrête. Parce que je te rappellerai que les élections présidentielles en France, il faut 500 signatures. Et c'est pas normal. Je le combats ça aussi. Et pourtant, c'est antidémocratique. On ne dit pas que le président de la République est illégitime. Non, je le dis. On peut contester le processus. Mais oui, parce que il n'empêche qu'en France, on a tout plein de gens qui se prétendent candidats à l'élection présidentielle, ouais. Que ce soit des acteurs, des comiques, des gens qui veulent juste faire le buzz. Et au final, on se retrouve quoi? Bah, qu'avec des personnes qui sont du système, je reprends ton terme, absolument, qui sont du système et qui au final sont élus. Et ils sont pas légitimes pour autant. Comme disait Tarek Mami, Emmanuel Macron, on ne lui remet pas en cause sa légitimité. Si, on peut la remettre en cause, mais l'argument ne tient pas la route parce que le seul pays au monde où. Le fait qu'il soit président de la République. Non, je conteste le système électoral français. Est-ce que tu contestes le fait qu'il soit président de la République? Je conteste le système électoral. Je conteste le système. Je conteste donc sa présidence. Pourquoi? Parce que quand on a un système verrouillé comme le système français, qui est un système d'exclusion d'élite et de caste, c'est une reproduction de l'élite du pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va sélectionner par leurs petits copains les 500 signatures, ce qui empêchera les candidats pollution, comme Coluche l'a été à un moment donné, les candidats qui les gênent de se présenter. Tu sais combien il y a de maires en France? Oui, mais c'est pas le problème. 37 000. Oui, mais c'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord. On n'a pas. Comment ça, c'est pas normal? On n'a pas à avoir 500 signatures et je donne pour preuve que le seul pays au monde à faire ça, c'est la France. Bizarrement, on n'a pas une inflation de candidats dans les autres pays qui ne pratiquent pas les 500 signatures. Bon. Donc, l'argument des 500 signatures, monsieur, c'est pas la route. Est-ce que vous pouvez me laisser poser quand même ma question? Je suis resté silencieux, donc je répondrai après. Absolument. La majorité silencieuse. Toujours. Exactement. Alors donc Abdelmadjid Tebboune qui a été investi donc président, la main tendue qu'il a proposée envers le Hellac suffira-t-elle à faire cesser les manifestations? C'est la question que l'on vous pose et vous êtes en grande majorité à dire non. Hein, 80% sur Facebook, Twitter, le grand forum FM2. Vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000 pour nous donner votre sentiment. Est-ce que ça va calmer un petit peu cette contestation sociale qui perdure? On rentrera, je crois, dans le 44e vendredi de manifestation demain. Des manifestations qui sont quand même, il faut l'avouer quand même, je vais pas faire une entorse à quoi que ce soit ni à qui que ce soit en disant que les manifestants ont baissé en intensité, et ce qui est bien normal, à l'image de ce qu'on a pu voir aussi en France, à l'image des gilets jaunes, effectivement ça a baissé et c'est normal. Mais est-ce que cela va faire cesser au bout d'un moment, parce que le président faut le laisser travailler? Il a d'ailleurs ce matin dans son discours élaboré
son programme en quelque sorte. Et il a parlé de tous les santé, tous les domaines. Il n'a rien exclu. Et d'ailleurs, il a confirmé, monsieur Mamie, votre question sur le sort des, sur les rapatriements des personnes qui décèdent à l'étranger. Les résidents algériens résidant à l'étranger seront rapatriés. Il l'a de nouveau rappelé ce matin à la charge de l'État algérien. Ça, c'est un engagement. Moi, je suis heureux de cette phrase, parce qu'on peut toujours dire que dans une campagne électorale ou que dans une conférence de presse, le président, le futur président peut prendre des engagements. Et comme dit Charles Pasqua, en France, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ou ceux qui les retiennent. Là, personne ne l'obligeait à parler de ça. Il en a parlé. Et il a rajouté deux autres informations, cher Christophe, qui sont importantes. Nous les aurons tout à l'heure sur le site de France Maghreb 2. La première, c'est qu'il a dit dorénavant, on fera une évaluation du travail des diplomates algériens à l'étranger, au vu de ce qu'ils vont faire au service de la communauté algérienne à l'étranger. En clair, le ministre, le futur ambassadeur au consul ne va pas venir comme avant pour faire des affaires pour lui, pour sa famille. Et il est là au service de sa communauté. La deuxième chose, il dit qu'il va mettre en place donc des structures juridiques pour la défense de tout Algérien humilié à l'étranger. Et il rajoute une précision technique extraordinaire, à condition que cette personne respecte les lois du pays dans lequel il réside. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion, il y a un travail qui a été fait. Et puis, nous, ici à France Maghreb 2, j'allais dire, on prend acte, comme dirait monsieur Macron, mais dans le sens positif. Mais il nous reste d'autres revendications. Ils se sont entretenus, hein, pardon Tarek, mais ils se sont entretenus. Oui, les deux présidents se sont entretenus d'ailleurs pendant une heure au téléphone. Tout à fait. Mais je rajoute qu'il nous manque d'autres revendications de la communauté algérienne de France. On rentrera dans le détail. Principalement la suppression ou l'abrogation de l'article 51. Ben forcément, il sera supprimé puisqu'on va refaire une nouvelle constitution. Voilà, donc on oubliera celui-là. Mais il nous reste, il demande quand même d'un secrétariat d'État ou d'un ministère. Mmh. Il nous restera la question des banques. Absolument. Il nous restera beaucoup de choses. Donc à partir du moment où le nouveau président ouvre le chemin au profit donc des citoyens algériens à l'étranger, bah allons-y. Le ministère des résidents à l'étranger. Et il a aussi. On l'a demandé dans la question. Il a aussi évoqué. Il a nommé d'ailleurs un premier ministre par intérim parce que Bédoui a démissionné, donc il est obligé de nommer un nouveau premier ministre qui est un homme que quelques-uns connaissent. Ça a été l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle monsieur Tarek. Monsieur Boukadoum. Boukadoum, voilà. Qui était aussi le représentant de l'Algérie aux Nations Unies. Voilà. Mais je précise qu'il s'agit d'un premier ministre par intérim. D'accord? Et normalement, le nouveau premier ministre sera désigné peut-être, selon nos informations, dimanche. Voilà. Donc il faut que ça aille vite et ça va vite. Et il a surtout dit, vous pourrez me corriger si je me trompe. Il a aussi cette hauteur aujourd'hui. En disant, je ne suis pas il faut qu'on m'appelle monsieur, voilà, il faut qu'on arrête avec le tout puissant. Avec Fahamat Ou, voilà. Qui en fait veut dire en arabe, pour le français, sa seigneurie, sa majesté. Il dit, je veux pas qu'on m'appelle comme ça. Oui. D'ailleurs, quand j'étais dans la conférence de presse à Alger, il y a une journaliste qui a dit Fahamat Ou, et tous les journalistes lui ont dit, commencez pas. Ouais. Et il a dit, écoutez, donc, cette altercation, et il prend acte, les gens ne veulent plus de sa majesté. Ça, c'est alors, monsieur Mamie, puisque vous êtes là, ça tombe bien. Okay. Il y avait quand même un grand absent aujourd'hui à cette cérémonie d'investiture. Mmh. Depuis les indépendances des deux pays, la Tunisie et l'Algérie, à chaque fois, les présidents des deux pays sont là. Alors, je commence Khaled par Saïd une boutade. N'était pas là. Je commence par une boutade. Il manquait certains premiers ministres. C'est l'histoire, en général, quand on est au pouvoir, tous les anciens premiers ministres sont présents. Là, j'ai vu qu'il y avait les quatre candidats à l'élection présidentielle, y compris M. Mouyoubi, sur lequel il y a beaucoup de bruit de couloir qui roule. Il n'y avait pas M. Yahya, il n'y avait pas M. Sellal. Ils dorment en ce moment en prison. Ils sont au Habs. Pour le reste, je pense que le fait que le président tunisien, M. Kais Saïd, n'ait pas été, il démontre deux choses. Un, il a commis une faute politique dans les relations entre les deux pays. Oui. La deuxième chose, ça explique, comme je l'ai toujours dit, moi, sur ce président tunisien, qu'il n'a aucune maturité politique, ni diplomatique, ni compréhension des enjeux de son pays ou de l'extérieur pour ne pas y aller. Il perdait rien, il marchait à pied. Il partait avant-hier soir. Ce matin, il était à Alger. Il rentrait au palais. Il saluait, il se faisait applaudir et repartait à pied parce qu'il y a la grève en France. Le lendemain, il est chez lui. Donc, c'est une faute politique qui va le marquer à vie. Et je peux vous dire, moi, qui connais ces deux pays, beaucoup d'Algériens
qui applaudissaient M. Kais Saied vont être vexés et vont retourner leur point de vue. Et beaucoup de Tunisiens qui disaient sur M. Kais Saied, on vous a dit que le mec est incompétent, vont commencer à écrire à partir d'aujourd'hui, ce type ne vaut pas la peine d'être un président. Et je le dis tel que je le pense. Joseph est avec nous au 01 40 33 9000. Vous pouvez prendre la parole, c'est votre émission. Ça s'appelle Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Joseph, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'aime bien les chiffres avec M. Mami, je pense que lui aussi, il aime bien les chiffres. Si on revient sur 2012 en Égypte, Morsi, l'Égyptien, c'était à l'époque à 95 millions de personnes. Morsi, il a pris la première tour, il a gagné la première tour, je sais pas, on ne parle pas le deuxième tour, on parle le premier tour, il était presque 5 millions. Autour des 5 millions. Là, aujourd'hui, l'Algérie, ils sont à 35 millions, monsieur Mami. Non, de corps électoral. En gros, on parle de 40. 24 millions d'électeurs. 24 millions d'électeurs. 24 millions. Il y a 41 millions d'habitants en Algérie. Voilà. Oui, 41 millions d'habitants, 24 millions d'électeurs. Comme il parlait des 95 millions d'Égyptiens, c'est des citoyens. Non. En Algérie, disons 40 millions. Ce qui compte, c'est les électeurs. Voilà. Oui, 40 millions d'habitants et 24 millions d'électeurs. Oui. Il y a 5 millions pour le président qu'il a gagné actuellement, là. Oui. Et pourquoi je me sens que vous êtes mal à l'aise pour ça? Mais on n'est pas du tout mal à l'aise, cher Joseph. Non, c'est sauf. Au début de l'émission, quand tu as posé la question, monsieur Mamie, j'étais mal à l'aise un peu. Pourquoi? Je vois pas où tu as vu une quelconque mal à l'aise de la part de Tarek Mamie, je crois pas. Beaucoup d'Algériens sont en train de contester cette façon qu'il a gagné. Et moi, je vous dis quelque chose. Rappelez-moi, cher Joseph, rappelez-moi le chiffre de l'élection de M. Morsi. C'est combien? J'étais autour de 5 millions. 5 millions. Pour 95 millions. La première millions. Tour, je parle de la première tour. Oui, donc ça fait 5 millions sur 95 millions. Sur 95 millions. Et vous avez de l'autre côté 5 millions sur 40 millions. 24. Donc ça fait à peu près. Non, mais certes, puisqu'on prend les chiffres globaux, ça fait pratiquement, en gros, le double. Ça fait 2 fois et demi. Oui, 2 fois et demi. Voilà. Et là, j'ai l'impression que les Algériens ne sont pas contents de cette élection. Ça, c'est la première question. Pourquoi? Autre chose, quand aujourd'hui les pouvoirs arabes, entre parenthèses, pouvoir islamique ou soit militaire, dans les deux cas, dans les deux côtés, je ne pense pas que la démocratie va gagner un jour. Mais il n'y a pas que les militaires. Vous allez me dire la Tunisie. La Tunisie, c'est provisoire. Et je veux dire, ça va revenir de la même coin, la même cornière, la même chose, plus tard. Parce qu'il joue bien, soit le pouvoir islamique, soit le pouvoir militaire, joue bien le jeu de la démocratie, mais plus tard, et sur autre chose. Les dernières choses, quand vous me parlez de la Fahama Traïs, tout ce qu'on donne de prestige pour le président, le nouveau président, signature arabe ou signature islamique. Parce que vous savez bien, monsieur Mami, comme moi, comme tout le monde qui connaît bien l'islam, si on n'a pas le droit de révolter contre le wali al-amr, c'est le, comment dire, le khalifa, entre parenthèses. Alors, totalement faux. Alors, ça, c'est une des lectures, je vous laisse terminer, mais je vous arrête tout de suite. C'est une des lectures de l'islam, et il y en a 100 millions bien pour exagérer. Sûr. Donc, c'est une école. Et bien, pas que ça. En islam, il y a un principe. On doit lutter contre l'injustice. Si le dirigeant est injuste, il doit être écarté. Ça, c'est la vraie lecture. Non, mais on va laisser Joseph. L'islam, il se trompe là, donc c'est lecture. Joseph. C'est votre lecture. Joseph, vous avez la phrase connue de Omar ibn al-Khattab, que tout le monde respecte. Absolument. Et aujourd'hui, le président algérien a dit une phrase qu'aucun chef d'État arabe n'a jamais dit, y compris Bourguiba, y compris Béji, tous. Il a dit, je vous demande de m'aider à corriger ce pays, à travailler ensemble, à me soutenir quand je fais les bonnes choses, et à me corriger quand je me trompe. Le seul remède pour ça, pour tous les pays arabes, c'est lequel? C'est la démocratie. Entre la religion et le pouvoir. Ok, c'est clair. Ok. Merci Joseph. Alors, deux mots. Un, je n'ai jamais été mal à l'aise avec le chiffre de 5 millions pour M. Tebboune. Je ne suis pas électeur en Algérie. Mmh. Et quand je parle en tant qu'analyste. Et je reprends très vite aussi à votre question pourquoi beaucoup d'Algériens ne sont pas contents. Parce qu'en réalité, il y a eu 20 millions de personnes qui sont sorties contre le mandat de M. Bouteflika. Mmh. Une fois que M. Bouteflika
n'a pas a démissionné, en tout cas pouvait pas. Les 20 millions sont partis en l'air et depuis on ne sait pas combien de milliers ou de centaines ou de millions sont restés contre. Et donc ces gens qui sont restés contre dans ce qu'on appelle le Hirak étaient sûrs que l'élection du 12-12 ne pouvait pas se tenir. Et quand elle s'est tenue, il y a une espèce de dépit. Et d'ailleurs, c'est le seul moment où il y a eu de la violence en Algérie par les jeunes qui ont brûlé quelques voitures de police, alors que rien ne s'est passé depuis 9 mois. Donc, ce sont les gens qui sont pas contents d'avoir perdu la bataille politique qui ont fait ça. Pour le reste, espérons pour l'Égypte, puisque vous la citez, la Tunisie, puisque vous la citez, l'Algérie, parce que vous la citez, et à tous les autres pays que vous n'avez pas cités, que la démocratie s'installe et que la démocratie soit au minimum un peu à l'image de l'Occident, parce que je ne veux pas parler de la démocratie en Occident. Quand on a un président Sarkozy où on fait un référendum et on rejette la demande de référendum, on se retrouve avec le même président qui passe la même loi par l'Assemblée. Donc la démocratie est toujours relative. Merci Joseph. Alors, 01 40 33 9000, mon cher Abdesseb, tu vas me remettre ma sonnerie là, tu m'as tout promis. Tout dégagé, là, ça va pas du tout. Alors, il y a un mot chez les Arabes en général et les Tunisiens en particulier. Il dit, il est venu pour l'aider à creuser la tombe de sa mère. Ben, il est parti avec la pelle. Vos appels au 01 40 33 9000. Évidemment répondre à cette question, je rappelle que vous êtes majoritairement à dire non, que vous ne pensez pas que les manifestations vont se calmer, vont cesser suite à cette main tendue, parce qu'il a clairement ouvert une main tendue envers le Hirak. Il souhaite qu'on discute, dialogue. Il a invité d'ailleurs tous les citoyennes et citoyens algériens à l'aider à faire cette nouvelle constitution. Eh bien, on en parle avec vous. Est-ce que cela va suffire à calmer la contestation dans la rue, dans les rues? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Appelez-moi. Sofiane de Paris. Sofiane de Paris. Soyez bienvenue, chère Sofiane. Voilà, je voulais intervenir au niveau de l'investiture de monsieur Tebboune. Oui. Sur le, ce que vous, comme vous avez dit, la non-présence du président tunisien, puis certains premiers ministres. Oui. Comment voulez-vous qu'il soit présent alors que, économiquement, on a besoin d'une union? On a besoin de construire quelque chose un marché de maghrébins, machin. Et puis, il n'y a aucun signe, surtout dans son discours que j'ai vu tout à l'heure et j'ai écouté, ne donne aucun espoir de réconciliation entre les pays. Je sais pas qui peut répondre là-dessus. Je veux pas devenir le porte-parole officiel ou officieux de Monsieur Tebboune. Est-ce que vous avez écouté le discours et les quatre dernières phrases? J'ai écouté son discours. J'ai pas été jusqu'à la fin. Voilà. J'ai écouté vaguement son discours. Il a dit trois choses sur le Maghreb. Un, il a dit il faut pas que la question du Sahara perturbe les relations fraternelles entre le Maroc et l'Algérie, ce qui n'était pas le discours qu'il tenait pendant la campagne électorale, ce qui est normal. Pour le reste, il dit l'avenir du Maghreb arabe ou du Grand Maghreb, les grands-parents et les parents en ont rêvé, il faut toujours garder cette idée et essayer de la faire. Et il a terminé sur la Palestine, et qui a dit, comme disait l'autre, la Palestine, on est à ses côtés, on ne peut pas oublier cette cause. Donc voilà les trois phrases. Sofiane. C'est qu'on reste toujours sur l'ancien système. Non, mais c'est pas l'ancien système. Mais Sofiane, qu'est-ce que vous... En France, on reproche à Sarkozy... En France, on a reproché, par exemple, à Sarkozy de ne pas être dans la ligne de la politique extérieure de De Gaulle, qui était souverainiste et dans l'intérêt de la France. Et Monsieur Tebboune, le président Tebboune, appelez-le comme vous voulez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on reste sur le fondamentaux. On veut pas d'ingérence dans le pays des autres. On ne veut pas d'ingérence chez nous. Et le rêve, c'est de construire le Maghreb. Les Marocains prennent ça comme une ingérence. Pourquoi ils votent ça? De quelle manière ils prennent ça comme une ingérence? Au contraire. On a quand même les réfugiés sur notre sol. Ça leur plaît pas. Et puis moi, je comprends. Moi, je connais pas mal de Marocains avec qui je parle vaguement. Bon, maintenant, si eux faisait la même chose pour la Kabylie, on serait pas d'accord. Mais c'est bizarre comme position. Ben, Gamal, vas-y. Parce que la question du Sahara occidental. Allô. C'est un peu logique. C'est, on est,
Non, mais c'est pas une question logique, il y a une question de posture politique. De toute façon, eux, ils vont pas déménager, nous, on va pas déménager. Mais c'est pas le sujet. Il y a pas à déménager, c'est des peuples frères. La question du Sahara occidental est une question qui a été imposée par Hassan II en 75 lorsqu'il a fait sa marche verte pour littéralement s'emparer du territoire qui, je le rappelle, il a pas fait parce qu'il y a du sable, hein, il l'a fait parce qu'il y a du phosphate. 80% du phosphate marocain vient de là-bas. Donc la question du Sahara occidental est une question non seulement géostratégique, l'accès à la mer, mais surtout pour l'Algérie, et surtout une question presque néocoloniale, parce que quand on va envahir un territoire qu'on n'a pas pu libérer par la force des Espagnols, quand les Espagnols s'en vont après la chute de Franco et qu'on y va en envoyant une population de peuplement, ça s'appelle du colonialisme. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne doit pas le dire parce que c'est des peuples frères, mais une réalité, si cette question du Sahara occidental n'est pas réglée demain, ça pourrira toujours la relation entre la France entre le Maroc et l'Algérie, et il faut régler cette question-là. Mais intelligemment, il faut trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Bon, voilà Sofiane, merci à toi en tout cas. 01 40 33 9000. Abdestem, t'es resté bien silencieux là, en écoutant tout cela. Non, mais j'écoute religieusement. Oui, monsieur. C'est pourtant pas vendredi. Non. Oui, tout va bien. Excuse-moi Christophe. 01 40 33 9000. Évidemment. Ça va être samedi, hein. Shabbat ou pas Shabbat? Ouais, ouais. Bon, alors 01 40 33 9000, évidemment, pour nous appeler. Qui est avec nous? Allô? Oui. Oui, bonjour. Choukri de Nanterre. Oui, Choukri. Bonjour Choukri. Choukri de Nanterre. Bonjour Choukri de Nanterre. Comment ça va Choukri? Ça va, alhamdoulilah. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe mon Choukri? Racontez-nous. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que, voilà, maintenant que le président a été élu, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de lui donner sa chance, en priant le bon Dieu pour qu'il aille dans le bon chemin, et puis ensuite, on le jugera en fonction de ses résultats. C'est inutile de continuer à vouloir tout casser, parce que ça changera rien. Maintenant, il est là. Il va falloir lui faire confiance, et on verra bien. Maintenant, si j'aimerais juste changer de sujet, j'aimerais lancer un appel à tous les gens de confession musulmane. Il y a un peuple en ce moment qui est en train de souffrir, ça s'appelle des Ouïghours. Et moi, je peux pas rester comme ça sans rien dire. C'est la Chine qui leur fait énormément de tort. Il y a entre 1,8 et 3 millions de ces personnes-là qui sont en prison, tout simplement parce qu'ils sont musulmans. Et c'est vraiment horrible, horrible de pouvoir mettre des gens comme ça en prison, voire même les torturer. Et ils appellent ça des centres de rééducation. Oui, alors, on peut parler de camps, hein, carrément. Mais c'est les camps. Et c'est exactement ça. Alors j'aimerais demander à, j'en profite, monsieur s'il vous plaît, monsieur Tariq Mami, est-ce que vous pourriez faire une émission pour ces pauvres gens qui sont tous les jours martyrisés et dont le monde entier se tait. Il y a un silence, c'est inimaginable. Et moi, en tant que musulman, je n'ai pas d'autre moyen que de dénoncer ces choses-là. Si vous permettez deux choses. Je vais demander à Christophe donc d'organiser ça parce qu'on a assez d'invités. Hein. Oui, oui. Et la deuxième, moi je vous dirais, cher monsieur, je sais que c'est choquant, mais c'est ma position. Moi, je ne défends pas les Ouïghours parce qu'ils sont musulmans. Oui. Je défends les Ouïghours parce que c'est un peuple, c'est des êtres humains qui sont pourchassés pour leur qualité religieuse. Et je défends les Ouïghours, comme je défends les Palestiniens sur le même principe, comme j'ai défendu ce qu'on appelait à l'époque, mais dans un autre siècle, le refusnik en Russie, parce que comme on l'a fait avec l'Afrique du Sud, nous soutenons à France Maghreb 2, à tout moment de l'histoire, les peuples qui sont opprimés, au-delà de leur religion, de leur race et de leur couleur. Et donc, on le fera. Et moi, par contre, je vais intervenir sur ça. Je vous en prie, cher monsieur. Faut comprendre. Il m'entend là. Il faut comprendre un truc. Les Ouïghours ne sont pas martyrisés ou ne sont pas maltraités, en l'occurrence, parce qu'ils sont musulmans. Ça, c'est vrai, je rejoins ce que dit M. Mami. Ils ne sont pas martyrisés pour ces raisons-là. Ils sont martyrisés parce que les Han, qui sont les Chinois, savent que la région dans laquelle les Ouïghours sont installés, qui est le Xinjiang, est la région la plus riche en pétrole et en gaz. Donc, c'est pas une question de religion et de peuple. Les Ouïghours sont d'origine turque. Alors, la question qui se pose, c'est la question du pétrole et du gaz. Je vous coupe, Jamal. Mmh. Alors, ils se trouvent exactement dans la même situation que le Rohingya en Birmanie, qui sont sur la zone de leur pays, qui enferme le pétrole et le gaz. Voilà. Donc, c'est toujours un rapport à l'argent qui messieurs, fait qu'on attaque les peuples. Pub, et on est de retour très vite avec la suite de vos appels. 01 40 33 9000. Merci Choukri, à très vite. France Maghreb 2, France Maghreb.
Intronisation ce matin du nouveau président Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que c'est le présentateur, il a dit Abdelaziz. Alors, c'est le chef du protocole. Ça, c'est embêtant. Alors, en fait, aujourd'hui, moi, j'utilise trois mots. C'est à la fois investiture, c'est prêter serment, c'est intronisation, et chacun selon le rapport qu'il a avec... Intronisation, c'est violent quand même. Non, mais voilà, c'est pour ça, il y a les trois mots. Moi, je te sens un peu... l'auditeur tout à l'heure parlait de Tarek Mami en disant qu'il était mal à l'aise, pas du tout. Par contre, je te sens un peu mal à l'aise, mon Gamal. Oh, moi, non, pas du tout. Je te sens mal à l'aise par rapport à Tebboune. Moi, Tebboune, ce qui m'a plu chez lui, j'ai dit, c'est quand il a été viré parce qu'il a dénoncé l'importation déguisée, la corruption, ça c'était bien. Mais je sais pas que je suis mal à l'aise. Si on demande mon avis à titre perso, je peux le donner, je le donne pas. Je dis juste qu'il faut entendre les uns et les autres. Pour ma part, il faut une stabilisation, il faut que Tebboune tienne un engagement, à savoir, il doit faire la promotion de la jeunesse et du Hirak. Ça, c'est ce que j'attends de lui. Ensuite, on va être très clair. Maintenant, je vais donner mon opinion. Quel Hirak? Le Hirak. Il voudrait bien en parler. Le Hirak début de combat. Non, d'accord. Reçu duel ou celui de... Non, celui-là, il compte pas, celui-là. C'est l'ancien système qui veut s'accrocher. Mais ce que je veux dire, c'est pas ça. Ce que j'explique, c'est qu'un président de la République, et c'est là où il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Un président de la République, c'est le représentant de l'État algérien, ou même de français en l'occurrence, à l'étranger. Le gouvernement qu'il va nommer, c'est lui qui doit gérer la question économique du pays et qui doit donner l'orientation et la réussir. Donc, que ce soit un représentant qui fasse décoratif comme un président, et qui garde ses prérogatives, et que le ministre et les ministres fassent leur travail, ça me convient. C'est pour ça que l'obsession du président, je trouve qu'elle est trop appuyée. S'il nomme un bon gouvernement, et si ce gouvernement est renouvelé, jeune, et qu'il n'est pas un produit du système ancien, ça me convient aussi. Mais je ne donne pas mon opinion dans l'absolu. Petite précision technique, on va faire du droit constitutionnel. Dans l'état actuel de la constitution algérienne, le président de la République est tout. T-O-U-T. Oui, mais ça va se réformer. Non, mais attendez. Je suis d'accord. Donc, à ce titre, et dans ce stade, c'est au président de tout faire. Ouais. Et c'est pour ça que le président Tebboune demande à amender avec deux choses violentes pour l'univers imaginaire arabo-musulman. La première, c'est l'imposition pour de bon de deux mandats en faisant adopter la nouvelle constitution par référendum. Ouais. Ce qui fait que le prochain qui veut changer, on va lui dire, faites un référendum. Ouais, c'est clair. Et la deuxième, c'est qu'il veut alléger les pouvoirs du président, ça c'est nouveau, et donner donc des attributions politiques et juridiques aux différentes institutions. Il veut, dit-il, on va voir comment il va faire, donner de l'équilibre entre les pouvoirs, c'est-à-dire justice, en fait, gouvernement, législatif, État, exécutif. Je précise mon propos. Hein. Quand on parlait du président à l'époque, c'était une succession de mots ridicules pour le désigner. Oui, oui. Chef suprême des forces armées. Parade tout. C'est le raïs, mais super raïs, qui avait tous les titres. En Albanie, on disait le soleil du ciel, et l'aigle de l'azur. Est-ce qu'on peut, monsieur Modeste, pas en placer une? Absolument. Oui. Il veut pas. Il est trop modeste. Il se réserve. J'essaye de trouver un temps mort pour pouvoir en placer une. Oui, et la preuve que j'ai du mal. Il est en train de chercher son téléphone. C'est le problème du centre. Non, mais moi je voulais juste revenir un petit peu sur tout ça. Lorsque l'on parle du Hirak, on ne peut pas parler d'un Hirak, mais de plusieurs Hirak. C'est vrai. Le premier, ça a été rappelé, c'était de ne pas permettre à Abdelaziz Bouteflika de se présenter une cinquième fois. Absolument. Moi je vais d'abord parler de ce Hirak-là. Ce Hirak-là a gagné. Parce que le but, c'était de ne pas permettre à Boutef de pas se représenter, et la deuxième, de faire élire un président démocratiquement. N'oublions pas que le 4 juillet, il n'y a pas eu d'élection, et qu'il a été décidé une nouvelle date, à savoir le 12 décembre. Le Hirak devait arriver à son terme une fois l'élection présidentielle réalisée. Et ben, c'est le cas pour ce Hirak-là. Ensuite, moi, je veux parler du prétendu Hirak 2, avec ces personnes qui... Moi, je ne mets pas en doute leur bienveillance à l'égard de l'Algérie ou leur volonté, justement, de réformer l'Algérie pour l'amener dans le bon sens. Mais parmi eux, il y a aussi, et vous me pardonnerez, il y a aussi tous les séparatistes, tous ceux qui ne veulent pas le grand bien de l'Algérie et qui veulent la fragmenter. Je ne dis pas que tout le monde est dans cet état d'esprit, mais parmi eux, il y a des gens qui ne souhaitent pas la réussite de l'Algérie et qui souhaitent vraiment qu'elle soit scindée en plusieurs morceaux, comme l'a été la Yougoslavie à la mort de Tito. Donc ça c'est le deuxième Hirak. Ouais. Et on le voit bien. Le deuxième Hirak prétendait qu'ils étaient majoritaires.
Mais s'ils étaient majoritaires, pourquoi ils se sont conduits de la sorte devant les consulats? Pourquoi se sont-ils conduits de cette manière-là avec nos parents, avec nos pères et nos mères, hein? Si ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Et la preuve est, les Algériens ont voté, se sont rendus aux urnes. Alors pas à 50% peut-être, mais on va pas remettre en cause la légitimité du président, puisque dans ce cas-là, on remettrait la légitimité de tous les présidents élus dans le monde, ouais, ouais. Puisque aucun. Et y compris, on l'a expliqué tout à l'heure, d'Emmanuel Macron aussi. Exactement, ouais. Exactement. Donc voilà, moi je pense que l'opération a été réalisée. Le Hirak peut être fier d'avoir permis à un président de la République de justement prendre les commandes du pays. Et moi je dis, et j'entendais tout à l'heure le dernier des intervenants qui disait, écoutez, donnons-lui sa chance, voyons ce qu'il a à faire. Lui-même le dit, je ferai des choses en direction de la jeunesse, et si je me trompe, corrigez-moi. Donc il fait quand même un certain sens. Alors, de l'ouverture. On va sonder Ali qui est avec nous, qui nous appelle de Paris je crois. Bonsoir Ali. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous faites quoi dans la vie, Ali? J'aime bien savoir. Bah, écoutez, je suis pas imam, je suis pas politicien. Oui, mais non, je suis comme tout le monde. C'est pas un métier. Votre métier, Ali. Si vous n'avez pas compris ma question, faites pas semblant de pas l'avoir compris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans l'automobile. Dans l'automobile. D'accord. Oui. Très bien. Bon. Alors. Il fait presque répondre... politicien. Il a évité de te répondre. Oui. Allez-y, Ali. En fait, pour répondre au monsieur qui a appelé tout à l'heure, on a compris ce qu'il voulait dire, mais sauf que. Ça veut dire minkum, c'est pas alaykum. Peut-être le frère à côté il va expliquer bien ça. En fait, le gouverneur qui vient par un vrai vote démocratique et clair et transparent, et qui oulil amri minkum, c'est pas alaykum, comme le cas de Tebboune. S'il est venu à Leïna, si vous voulez dire. Qu'est-ce qu'il a comme pouvoir à changer? Il n'a rien à changer. On a bien entendu des belles chansons avant lui. Il n'y a pas le plus baratineur comme Bouteflika. Qu'est-ce qui nous a fait rêver? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il nous a mis en plein gouffre. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir? Il a été ramené. Déjà, il a failli d'être rejeté par les généraux. Et par rapport au Hirak, le Hirak il n'a pas changé. Le Hirak il a passé d'une vitesse à l'autre, mais il n'a pas changé. Et pour faire soi-disant le dialogue avec lui, qu'est-ce qu'il peut il peut rien changer, il peut rien dialoguer avec ceux qui l'ont ramené, oui. Donc vous contestez, vous, la légitimité de l'élection, vous contestez que 4 950 000 personnes... Pardon Ali, c'est pas un monologue. Ils sont dirigés comme des marionnettes. Oui, d'accord. Donc vous contestez ces 10 millions de personnes qui se sont déplacées pour aller voter, c'est ça, vous les contestez? Qui prouve ce que vous dites, monsieur, quand vous parlez de non-transparence? Sortez-moi une photo, une vidéo de bourrage d'urne, vous en avez pas? La plupart de ceux qui sont ici, la plupart c'est des gens âgés. Et ils les ont promis comme quoi on va vous rapatrier le jour J. Non, vous dites n'importe quoi, je suis désolé. Excusez-moi, là j'interviens. Avant que moi, Tarek Mami, journaliste de cette radio, n'interpelle le président de la République sur cette question, cette question n'a jamais fait partie des débats électoraux en Algérie. C'est moi, sans prétention, qu'il est imposé à l'ordre du jour, et c'est derrière que le président a rebondi. Absolument. Pour donc dire je veux faire ça. Alors n'invençons pas les livres d'histoire. C'est un argument qui tient pas la route. Si les vieux, comme on dit, les Chibani, ils votent pour ce qu'ils connaissent, c'est parce qu'ils sont rassurés, c'est du conservatisme classique. Donc on va pas dire maintenant ils votent parce qu'ils ont été payés, c'est quand même pas de sens. Faut être un peu honnête quand même. Oui, parce qu'on va les rapatrier. Moi, je suis un peu consterné quand même par l'argument sorti par les quelques auditeurs qui viennent et qui sont contre. Et ils ont droit d'être contre en l'occurrence. Ils peuvent s'exprimer et le dire. Mais un peu d'argumentaire, les gars. Je sais pas, je vous trouve très léger, je crois. Ça sent quand même comme un parfum de défaite, les gars. Un peu, ouais. J'ai l'impression, non, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais quand même, les arguments sont pas. Voilà, c'est pas mirobolant tout ça. Hein, ça vole pas très haut, quoi. Je veux dire, on est en train de contester un mec qui est. Enfin, un monsieur qui vient de commencer, qui vient de prendre ses fonctions aujourd'hui, il a quand même dans son discours été clair. Nous, on prend note, comme a dit Macron. On attend de voir ce que ça va donner. Et voilà, je parle d'Islam, le sage de l'équipe. Non, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que on l'a jugé, condamné et pendu sur la place publique sans qu'il ait encore présidé.
Moi, je dis, attendons de voir. Et moi, j'ai apprécié le précédent intervenant qui disait, bah, attendons de voir le travail qui sera fait. Il a donné les grandes lignes. Il a parlé de la jeunesse en indiquant qu'il y aurait des ministres jeunes. Il a parlé d'un tas de choses, tout cas sur l'Algérie. Et en effet, c'était Tarek Mami, lorsqu'il était la conférence de presse, qui avait abordé le sujet du rapatriement des corps. Mais à aucun moment, ça n'a été un argument électoral. Et je peux vous le dire, mon père, pour parler que de mon père, lorsqu'il s'est déplacé pour aller voter au consulat, à aucun moment il m'a dit j'y vais parce qu'on pourra me rapatrier. Non, mais c'est vraiment de. Non, c'est un argument ridicule, ça. 01 40 33 9000. Un peu d'argument, les gars. Moi, c'est ce que j'attends quand même. Il faut qu'on se parle, hein, et qu'on se parle bien. 01 40 33 9000. Ça sonne plus du tout, hein, mon Abdestem. Donc voilà. Fares, bonsoir. Oui, bonsoir. Fares, il fait quoi dans la vie? Il nous appelle d'où, Fares? En fait, moi, je suis plombier chauffagiste. Ah, très bien, très bien. On salue tous les plombiers chauffagistes. On a besoin, là. Ah, oui. Sauf ceux qui nous arnaquent pour un joint. Avec le froid, ouais. Mais les plombiers, alors moi, j'ai un truc, j'ai une dent contre vous, les plombiers, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai un joint à changer pour un évier. L'autre, il m'en a collé pour 150 balles, il habite en bas de chez moi. Je lui dis 150 euros. Il dit ouais, mais il y a le frais de déplacement. Il dit mais t'es sérieux, t'as juste à traverser la route. Du coup, depuis, je me démerde tout seul. Bah, il a fait ce que demandait Macron. Il a traversé la route. Le cliché pour les plombiers. Non, mais je plaisante. Alors, Fares, qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Oui, en fait, moi, je veux juste vous dire par rapport à l'élection de Toboun. Oui. En fait, je vous dis clairement, moi, j'ai pas voté. J'ai jamais voté de ma vie. D'accord. J'ai jamais cru à l'élection en Algérie. Bah, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez des preuves par rapport... Nous, on a des preuves, beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet comme quoi ils ont trafiqué un peu le vote. C'est vrai qu'il y a... Oui, les vidéos qui datent de 2014. Il y a un pourcentage qui a voté, ça, personne ne peut le nier. Moi, je peux dire qu'il n'y a pas plus de 10%. Maximum, il y a 10% qui a voté. Après... Vous voyez que jamais vu une élection. Mais sur quoi vous vous basez? Comment? Sur quoi vous vous basez? Sur quoi je me base? Moi, je me base sur la rue, monsieur. Je me base sur la rue. Ouais. Que j'ai jamais vu. Surtout en Algérie, hein. En général, les pays arabes, entre guillemets, parce que quand il y a un président qui gagne, vous avez tout de suite toute la clientélisme, tous les clients qui sont autour, qui sortent pour klaxonner, pour faire majeur. C'est la première fois qu'il y a un président. Donc, depuis la rue. Donc, depuis la rue, vous pouvez dire qu'il y a 10%. Le jour même de vote, il y a des millions qui ont manifesté. Vous avez pratiquement la région de la Kabylie, zéro vote. Quand je vous dis. C'est fou. En même temps, c'est normal, vous avez muré les mairies, donc. Hein? En même temps, c'est normal qu'ils puissent pas aller voter puisque vous avez muré les mairies, donc forcément. C'est très démocratique, ça. Ah ouais. Tout le monde le sait. Ah, ça, c'est la démocratie que vous souhaitez en Algérie. C'est surtout la réponse. Quand je vous pose la question de d'où tenez-vous ces chiffres et que vous me dites c'est la rue, ça n'est pas une réponse. Ça n'est pas une réponse. C'est pourquoi c'est pas une réponse. Mais non, ça n'est pas une réponse. C'est-à-dire que vous êtes sorti, vous avez vu trois voitures passer et vous avez dit 10%. Monsieur, on va se reprendre et on va être tout à fait transparent, cher monsieur. Les deux seules vidéos qui sont apparus sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas d'autres. D'accord? Les deux seuls, ce sont... Attendez. À Tizi Ouzou, effectivement, on a vu une vidéo qui a été publiée 24 heures avant le vote, où on voit des bourrages d'urnes. D'accord? Et attendez, calmez-vous. Abedjaya, c'est effectivement ces bureaux de vote incendiés, saccagés, qu'on a vu. Le reste de toute l'Algérie, je vous défie de m'en trouver une seule. Christophe, moi j'ai vu des vidéos... Oui, vous avez vu. Il y avait des murs qui étaient déjà remplis avant les élections. Ouais. Il y avait des murs qui circulaient. Il y avait dans des autres régions, il y avait des vidéos, les gens, ils ont signé, même les morts, ils ont voté. Ouais, même d'accord, ok. Ils ont voté. Oui, d'accord. Après, bon. Gardez les arguments pendant 5 ans. C'est votre droit. C'est pas une question de croire ou pas croire, cher monsieur. Moi, je suis factuel, moi. Il a sorti un chiffre de 58%, que Toboun a gagné 58%. Vous le croyez de... Alors, monsieur, on va faire simple. Il n'y a pas les 58%, personne ne les croit. Bon, cher monsieur, on va faire simple. Il y a 24 millions d'électeurs en Algérie, d'accord? Il y a 10 millions qui se sont exprimés. Sur ces 10 millions qui se sont exprimés, 4 950 000
pour Tebboune. Donc ça fait le score de 58%, cher monsieur. C'est, de la, c'est mathématique, en fait. Si vous avez, si vous avez un problème avec les maths, c'est pas rien, moi. 2 millions, c'est les militaires qui a voté. D'accord, ah, d'accord. Attendez, oui, mais ça, je peux poser une question? D'accord. Non, mais est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y, monsieur Mami. Est-ce que les militaires sont des citoyens algériens? Il y a beaucoup de militaires. Attendez. Est-ce que les militaires sont des citoyens algériens et qu'ils ont le droit de vote, oui ou non? Oui, c'est des, les militaires, c'est des citoyens algériens à part entière, et c'est des citoyens qui ne sont pas libres. Pas libres de quoi? De voter dans, ou pas? Dans l'urne? Des citoyens qui ne sont pas libres, ils sont obligés. Dans l'urne? Il y a quelqu'un avec eux dans l'isoloir. Ils ne veulent pas voter. Mais dans l'urne, ils arrivent dans une urne. Ils se remettent au cachot. D'accord, ok. Bon. En tout cas, voilà, c'était merci ma question. Donc c'est bien des Algériens qui ont voté, qu'ils soient policiers. Vous pouvez me dire, et moi, le seul argument qui peut me convaincre, vous pouvez me dire que sur les 40 millions d'Algériens, il y a en gros 10 millions de personnes entre les militaires, la gendarmerie et la police, et que ce sont ces 10 millions-là qui ont voté. Ça, c'est un argument de science politique que je comprends. Mais à ma connaissance, il n'y a pas 10 millions non, pas. De policiers, de militaires et d'agents de sécurité. Il y a 5 millions de fonctionnaires. Donc, s'il y a 5 millions de fonctionnaires et que tous les fonctionnaires ont voté dans le système, comme on dit en Algérie, il reste bien 5 millions qui sont venus d'ailleurs. Et puis au-delà de ça, de toute façon, c'est normal qu'il y ait de la colère, je comprends. Non mais il y a des réalités. Moi, je comprends la colère. Tu as raison, Gamal. On la comprend tous. Mais faut qu'elle soit argumentée quand on en vient à raconter des âneries et des stupidités. Franchement, ça n'a plus de sens. J'aime pas et le mot. On perd. On perd tout argument. J'aime pas le mot ânerie. Je dirais les Français adorent le mot. Monsieur Mami, à partir du moment où vous mentez, c'est quoi? C'est des carabistouilles. Oui, bah voilà. Non mais il y a une réalité de toute façon, quoi qu'il arrive. Quel que soit les calculs, quel que soit le mode des calculs. Encore une fois, il ne s'agit pas de défendre ou pas défendre. Non, on est factuel ici. Constater, comme dit monsieur Mami, on est les oreilles et les yeux des auditeurs. Oui, mais le mode et quand j'entends qu'il y a des millions dans les rues, Tarek Mami peut vous dire ici, des yeux dans les yeux, qu'il n'y a plus de millions dans les rues. D'accord? C'est normal. Il y en a pas. Voilà. Ça s'est essoufflé, mais quoi qu'il arrive, le mode de calcul, il est clair. Quel que soit ce qu'on dira, de toute façon, il y a une base électorale qui était favorable au FLN et qui perçoit Tebboune comme l'enfant du FLN. Elle existe, cette base. Tous ces anciens qui votent pour lui, c'est une réalité. Après, qu'on dise que les casernes aient voté pour lui, bon, ça, c'est encore un débat qui veut rien dire, parce que dans l'isoloir, on est tout seul. Mais ce qui est certain, je comprends qu'il y a des gens qui sont déçus parce qu'ils auraient voulu que tout le système dégage. Sauf que, un État qui fait tomber tout le système, ça devient l'anarchie. Donc on peut pas faire ça. Il faut une transition et c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de le dire dans un média. Je pense que Monsieur Tebboune, le président maintenant, est le président d'une transition. Tout et je fait. Pense et j'espère qu'il va faire cette transition à la jeunesse et d'un mandat. C'est-à-dire que s'il fait deux mandats à ce moment-là, c'est foutu. C'est son souhait d'ailleurs. C'est pas tous. Hein. Karim est avec nous. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir. Bonsoir Karim. Vous appelez d'où? Vous faites quoi dans la vie, cher Karim? Dans 95, je suis plombier chevaliste. Encore? On en a besoin! France Maghreb 2, premier chez les plombiers chevalistes. Oui, voyez, France Maghreb 2, premier sur les artisans. C'est une caste, on le connaît. Karim, on vous écoute, Karim. C'est un lobby, c'est un lobby. Voilà, je reviens moi sur les élections. Moi, j'étais en Algérie. On a des chauffeurs de taxi et des plombiers, voilà. Super. Oui, alors vous étiez en Algérie, oui, Karim, allez-y. Oui, j'étais en Algérie le 12. Oui. Le 12 décembre. J'ai passé 15 jours là-bas et je suis rentré le 14. Voilà, pour les élections, moi je parle, les gens qui n'ont pas laissé les gens voter ici, ils se sont comportés comme le FLN, ils se sont comportés comme le FIS dans les années 90. Parce qu'il fallait voter, il ne fallait pas voter. En démocratie, on n'interdit pas une personne de voter ou de ne pas voter. Voilà. Exact. Voilà, en démocratie c'est comme ça. Moi je suis algérien, j'ai vécu 30 ans en Algérie. C'est la première fois que je vois des votes... voilà, il n'y a pas eu de trafic, il n'y a pas eu de moi, il y a eu, je sais pas, il y a des gens, il y avait des journalistes, il y avait des gens sur place, tout ça. Maintenant, ce qu'il y a sur Facebook, ce qu'il y a sur Internet, il y a à boire et à manger. Maintenant, on veut diviser ce pays. On sent. Moi, j'étais là-bas, j'ai ressenti ça. Il y a une partie qui veut diviser le pays en 3 ou 4 ou, c'est pas ce qu'ils veulent, mais voilà. Maintenant, il y a un président, on va voir ce qu'il va faire, ce qu'il va ramener l'équipe. Maintenant, on peut surveiller, avoir l'œil sur ce gouvernement. C'est plus comme avant. Avant, personne ne pouvait surveiller, pouvait parler, ne pouvait. Maintenant, on a passé une transition, on a passé une étape. Maintenant, laissez les gens travailler. On va voir ce qu'ils vont ramener. Maintenant, si dans un an ou dans 6 mois, il fait rien, on voit rien. Maintenant, qu'ils dégagent comme les autres, et c'est tout. Mais on peut pas dégager tout le monde. C'est pas possible de dégager tout le monde.
qui va gérer ce pays? Bon sang, qui va gérer ce pays? Merci Karim. Voilà, c'est ma foi, c'est assez sage comme réaction. Voilà. Merci Karim en tout cas. 0140. Et c'est vrai, il a raison parce que il y avait beaucoup d'ailleurs, parce qu'on parle de Facebook, beaucoup de vidéos live concernant les dépouillements. Et je précise d'ailleurs que le Conseil indépendant qui s'est occupé de l'organisation des élections, l'ANI, a publié commune par commune les résultats. D'accord. Vous pouvez ils sont consultables de tous. Commune par commune, d'accord. Donc tout le monde peut voir. Il y avait effectivement des gens indépendants, des journalistes qui étaient là sur place pour vérifier. Tout le monde pouvait accéder. Tarek Mamie, vous avez pu rentrer dans un bureau, vous avez pu voir ce qui se passait. Bien sûr. Voilà, on vous a pas demandé quoi que ce soit. Non. Vous étiez libre, d'accord. Voilà. Donc visiblement, effectivement, on a un peu de mal parce qu'on était habitué à autre chose en Algérie. Il faut le dire clairement et honnêtement. Et voilà, que les choses aient un petit peu changé, on comprend que ça contrarie certains, se croyant encore parmi les anciennes méthodes. En fait, on fait l'analyse aujourd'hui et on se projette sur demain avec le logiciel d'avant-hier. C'est ça. Et tant qu'on part avec le logiciel d'avant-hier, on ne peut pas accepter. Donc, il faudrait que les gens acceptent de partir avec le logiciel aujourd'hui et mettre ce président et ce nouveau gouvernement sous surveillance pour voir si les paroles qui ont été données correspondent à ce qu'il fait ou pas. J'ai une question à poser, moi. 40-33-9000, tu la poseras juste après la pub, mon cher gamin. Et on va effleurer l'actualité aussi au travers du zapping. On va parler un peu de ce qui se passe aussi en France. Vous savez qu'on est quand même un peu embêté avec cette grève. On en est au 15e jour. On entame la 3e semaine. Les mecs ne lâchent rien. Et le gouvernement non plus, d'ailleurs. À tout de suite. France Maghreb 2. Votre source d'actualité au quotidien s'appelle Le Grand Forum. C'est sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Gamal Abina, Abdeslam Itach, Tarek Mami qui sont là en ce jeudi après-midi. On discute donc en ce jour de ce 19 décembre. C'est Abdelmadjid Tebboune qui est donc le nouveau président officiellement ce matin. Il a prêté serment. Et il a nommé d'ailleurs un nouveau Premier ministre par intérim parce que Bédoui a démissionné. Et on vous pose la question, est-ce que la main tendue qu'il a proposée vis-à-vis envers le Hélarque, est-ce que cela va suffire à faire cesser les manifestations? Vous êtes pour l'heure à dire non en grande majorité. Et vous nous appelez pour nous donner un petit peu votre sentiment. Alors c'est vrai que quelques-uns sortent leurs arguments en rejetant, en trouvant illégitime cette élection, quoi qu'il en soit. On rappelle quand même que ce sont 10 millions d'Algériens qui se sont déplacés pour cette élection sur un corps électoral qui représente 24 millions et 4 950 000 voix pour Abdelmadjid Tebboune, qui est donc le nouveau président. Ce sont là des chiffres qui ont été transmis par l'ANI, qui était en charge de l'organisation de l'élection présidentielle du 12 décembre. Karim est avec nous, il nous appelle d'Alfortville. Il fait quoi dans la vie, Karim ? Bonjour, bonjour à tous d'abord. Moi, je suis ingénieur en électricité. Ah, très bien, ingénieur en électricité. C'est pas vous qui avez coupé l'électricité hier dans la grève ? Ah non, je travaille pas chez Enedis, je travaille dans un bureau d'études privatif. Très bien. Ouais, j'aime bien savoir ce que vous faites dans la vie parce que on a un petit peu un petit aperçu de l'auditeur de France Maghreb 2 et c'est très varié et les cadres sont très nombreux à nous écouter, les ingénieurs, les taxis, enfin voilà, c'est vraiment très très diversifié et c'est un petit peu ce qu'on recherche d'ailleurs. Très bien. Karim, votre avis nous intéresse, mon cher Karim. Alors moi j'ai suivi à distance les élections parce que j'habitais ici à Alfortville. Et en fait, je suis né avec le ventre, hein, parce que en fait, ma sœur qui habite à Alger actuellement, donc elle a failli perdre son poste parce qu'elle a été obligée de voter, sinon elle va perdre son poste. Donc suite à ça, ça m'a interrogé le fait d'obliger les gens à aller voter, alors qu'on parle de la démocratie, on parle de choix des personnes, hein, s'ils souhaitent voter ou pas. Et concernant la phase transitoire, je suis d'accord avec le vote s'il y a une phase transitoire. Moi, je trouve que on va suivre à peu près la Tunisie, parce que la Tunisie, ils ont quand même fait une révolution qui a duré quelques mois. Et ensuite, à la fin, ils ont voté un président qui faisait partie de leur ancien régime. Et aujourd'hui, quand on voit le parcours de la Tunisie, ils ont quand même réussi, après quelques années, à retrouver leur démocratie, tant mieux pour eux. Et j'espère, c'est ce que j'espère pour l'Algérie. Voilà ce que je veux dire aujourd'hui. Très bien. Merci Karim. Donc il aurait aimé en fait que ça se passe comme en Tunisie, c'est-à-dire que ça dure plusieurs années, il passe par une constituante. Bon,
Voilà, écoutez, ça, moi j'entends, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça aurait été souhaitable, monsieur Mamie, vous qui avez bien suivi ce qui s'est passé en Tunisie depuis 2011 quand même, hein, qui a accouché par un président élu là en 2019? Alors, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Absolument. En Tunisie, d'abord commençons par l'Algérie. En Algérie, il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu un soulèvement populaire qui avait un ras-le-bol et qui demandait de la dignité et pas qu'on leur mette un président pour le cinquième mandat. En Tunisie, il n'y a pas eu de révolution non plus, mais on peut parler d'une révolte quelque part parce que en Tunisie, la révolte visait un homme, elle ne visait pas un système. Alors qu'en Algérie, on a prétendu viser le système. Non, au début, c'est un homme qui visait. C'est Bouteflika. Voilà. C'est qui incarnait le système. Oui. Alors, au vu de la situation, et la transition à la tunisienne en Algérie, et j'allais dire, et je parle vraiment en toute réflexion, ça ne veut pas dire que j'ai raison ou que j'ai tort, dépasserait les 10 ans que la Tunisie a commencé, parce que la Tunisie, en fait, la transition a duré 3 ans, et avec la première élection présidentielle de Béji, un vieux loup de la politique, il a pu quand même remettre le couvercle pour que la machine redémarre. En Algérie, je ne suis pas sûr qu'au bout de 2 ans, on peut écrire une constitution, accepter les règles du jeu, se mettre d'accord sur les identités culturelles qui sont quand même plus plurielles qu'en Tunisie. Donc je pense que c'est une transition qui est entre les mains et sur les épaules de M. Tebboune. Et j'allais dire, on se donne tous rendez-vous pour la dernière émission de décembre de l'année 2020 et pour voir est-ce qu'on a un an, M. Tebboune a tenu un minimum d'engagement ou pas, et c'est à partir de là qu'on peut discuter. Le deuxième point qui m'intéresse, c'est le prochain référendum pour le changement de la Constitution. Et le troisième, qui est le plus important pour moi, c'est l'élection législative qui viendra. Et c'est aux gens de Hirak d'aujourd'hui, le Hirak principal, le Hirak résiduel, de décider d'y aller ou pas. De présenter ou pas. Et s'ils y vont pas, je veux dire, on pourra pas dire que l'Algérie n'est pas dans une nouvelle république. D'ailleurs, j'ai adoré deux expressions de droit constitutionnel ce matin. La première, c'est quand on parle du président actuel, on dit le chef de l'État. Et quand on parle de M. Tebboune, on dit président de la République. Allez chercher à comprendre, c'est très fin en diplomatie. Bien sûr. Et la deuxième, M. Tebboune ne parle pas de deuxième République. Il parle de nouvelle république. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion et que l'auditeur de base, l'auditeur de France Maghreb, ne doit pas s'attacher à ce que les uns et les autres disent, mais à ce qui se fait sur le terrain. Dire nouvelle république, ça ne veut pas dire deuxième république. Oui, c'est important. Ce qui est logique. Ouais. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez, cher Tarek, Lazare de Marseille. Bonjour Lazare. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, cher Lazare? Bonjour Monsieur Tarek, bonjour à vous invités, bonjour à toi Christophe, ouais. Christophe, pardon. Ça fait un moment qu'il n'est pas venu, il faut qu'il repasse Lazare par Paris. Hein. Par la gare. C'est vrai que ça fait un moment que je suis à Paris. Début janvier, rendez-vous dans le studio Monsieur Lazare. Avec plaisir. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire et j'apprends de vous, donc je tiens à vous remercier tous et toutes, bien sûr. Et je remercie surtout Radio France Maghreb 2 qui fait un travail extraordinaire. Et je vous apprécie énormément, Monsieur Tarek, quand je vous ai vu la dernière fois que vous avez posé la question au président Tebboune, donc actuellement. Je sais qu'il y en a qui sont contre le mot président, mais on peut pas faire autrement. Il a été élu. On peut pas faire autrement. Je suis contre, je n'ai pas été voté, je ne vous cache pas. Je n'ai pas été voté, car je suis contre tout le système depuis le système qui existe depuis 1962, même peut-être avant, je ne sais pas. Mais on peut pas faire autrement. Un pays ne peut pas être sans président, c'est pas possible. Ça fait 10 mois qu'un pays qui est sans président, il est ingouvernable, c'est une réalité. Malgré que je suis hostile à ces, et pas hostile, je veux dire, je suis hostile au système, mais je suis pas hostile, comment on appelle ça, aux élections. On peut pas, c'est pas possible. Il y a des élections qui ont eu lieu, certes. Il y en a qui sont controversés par la plupart peut-être des Algériens, c'est une réalité, y compris par moi-même, car je n'ai pas été voté, mais je respecte le scrutin, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre solution. Un exemple, le Hirak, maintenant, ils veulent balayer tout le monde du jour au lendemain. Mais c'est impossible, impossible. Nous avons justement notre pays, le pays voisin qui est la Tunisie. Qu'ils ont fait un travail remarquable. Entre la révolution 2011 jusqu'à maintenant, ça fait 8 ans, 9 ans. Et nous, en tant qu'Algériens, on veut balayer tout un système qui dure depuis 1962 en coup de baguette magique. C'est impossible.
Pour moi, c'est impossible. Ce qui a été fait jusqu'à présent, donc ce monsieur Tebboune ou ce monsieur président de la République algérienne qui a été élu, mais je suis désolé, il a été élu au suffrage universel, donc je suis désolé, ben, il faut l'accepter d'une manière ou d'une autre, même si je suis contre personnellement, mais je suis obligé de l'accepter pour la simple raison qu'un pays ne peut pas être sans président. C'est impossible. Merci. Maintenant, nous avons un président, ouais. Laissez-le, travailler. On lui laisse un peu une chance pour voir ce qu'il va faire. On attend. C'est une réalité. Merci mon Lazare, à bientôt du côté de Paris, Lazare. Et dans les studios. À bientôt, à bientôt. Notre amie Sofiane est avec nous, mes amis. Sofiane Lagdari, comment ça va, mon Sofiane? Oui, bonjour Christophe, bonjour Axelin, bonjour Gamel, bonjour cher Tarek. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est une journée historique, hein. À titre personnel, j'ai assisté, j'ai vu l'intronisation de Abdelmadjid Tebboune, pour lequel j'ai voté. Alors, c'est intronisation, c'est un roi maintenant. Ah ouais, pour faire plaisir un peu aux gens qui sont un peu contre les élections, ou bien le mot président élu. Alors, on nous dit nommé, même dans la presse française, dans les médias, on parle que de la nomination et non pas de l'élection. Malgré qu'il y a 10 millions, maintenant les gens disent qu'il y a eu de la fraude, mais sans avancer aucun argument. J'ai écouté l'auditeur d'avant où il disait qu'il y avait des vidéos, mais sans nous citer même la moindre commune, parce qu'en vérité, sur les réseaux sociaux, quand il y a une vidéo qui a un peu de profondeur, ou bien de après avoir vérifié ces vidéos, je pense que tout le monde devait reprendre ces vidéos, et même les sites qui sont, Dieu sait, qui sont nombreux, qui sont hostiles aux élections, surtout qui sont gérés par certains admins ici en Europe et particulièrement en France, mais on n'a jamais vu ni les sites, par exemple, je ne vais pas citer quelques sites, mais même eux, ils n'ont pas repris ces vidéos pour dire qu'ils n'avaient aucun argument en vérité pour dire qu'il y a eu une falsification ou bien un bourrage des urnes comme on a vu auparavant. Ouais. Alors, l'élection des militaires, pour ne pas tomber dans ce problème-là, disons qu'il y a eu des directives de l'état-major pour certains militaires pour qu'ils ont voté pour tel ou tel candidat. L'institution militaire, pour la première fois, elle a demandé à ce que les militaires votent là où ils sont. S'ils sont en permission, ils votent leur lieu de résidence. S'ils sont en activité ou bien dans une situation de ratissage ou autre chose, ils devaient donner des procurations à leur famille. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a vu pas mal de jeunes en civil, ils votent là où ils sont, et c'est pour éviter qu'il y ait la polémique par la suite, disant l'institution militaire a choisi son camp ou son candidat, pour éviter ces polémiques-là. Alors, vous n'avez pas coupé. Non, pas du tout, Sofiane est toujours là. Tiens, on va accueillir Sofiane Messaoud qui nous appelle. Bonjour Messaoud. Non, pas Messaoud, Daoud. Ah, pardon, Daoud. Ah, c'est Daoud de Nanterre. Notre Daoud, comment? Non, Roi Malmaison. Bonjour. Bonjour, mon Daoud, comment ça va? C'est plus riche. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bah, écoute, ça va très très bien. Alors, mon Daoud. Ouais, moi, je voulais en fait m'exprimer sur les élections. Bah, bonsoir à tous avant tout. Et bonsoir, Daoud. Le nouveau président de l'Algérie, M. Tebboune. Même si avec seulement, on va dire, environ 25% des électeurs qui me déplaisent, mais c'est comme ça, comme on dit en grec, demos kratin, c'est le pouvoir au peuple, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais par contre, il y a un truc qui me tient à cœur, que je voulais appeler depuis quelques temps, les gens qui critiquent la radio, là. Je dis à tous les gens qui critiquent cette radio, en disant que vous prenez parti pour l'armée ou pour autre, ce sont les mêmes qui crachaient sur le président précédemment sur cette même radio. Point. Je voulais juste, dire ça. Et puis une dernière chose, et pour finir, j'aimerais rappeler aussi à tout le monde que le président, pendant ses mandats, M. Bouteflika, l'Algérie a triplé ses réserves d'or par 3, le PIB par 3, l'Algérie est excédentaire. C'est même le pays qui avait le moins de dettes de l'ENA, c'est-à-dire du Maroc jusqu'à l'Iran. Donc j'espère ces résultats pour M. Tebboune, le nouveau président. Et puis aussi, j'aimerais aussi critiquer les gens qui ont scellé les bureaux de vote en Kabylie ou qui ont fait des scandales ici en France. J'aimerais leur dire que 2001-2002, les printemps noirs, la division c'est fini. Pensons à l'avenir. Il y a plein de personnes qui essayent de diviser plein de pays dans le monde. J'ai l'impression là avec le Yémen, la Libye, la Syrie. Donc restez solidaires et tombons pas dans des petites choses comme ça, quoi. Ah, moi j'aimerais bien répondre à ça. Oui, merci Daoud en tout cas pour ton appel. Vas-y Gamal, je t'en prie. Très rapidement, donc oui, il donne des données économiques qui sont pas mauvaises, effectivement.
avec un pays qui générait quand même 60 à 70 milliards d'euros de pétrole hier par an, il est logique, et ils ont fait le travail, c'était quand même le minimum, qu'il n'y ait plus de dette. Bon, les FMI, ils ont même prêté 5 oui. milliards. Mais ils n'avaient plus de dette au Club de Paris, ils ont anticipé le règlement de la dette, ils n'ont plus de taux d'intérêt à payer. Ils avaient 190 milliards de dollars de réserves de change. Malheureusement, bah, avec le retournement du pétrole en 2014, les réserves de change ont fondu comme neige au soleil. On doit être à 70 milliards aujourd'hui. Et le problème, c'est pas de savoir si le travail était fait bien ou mal, c'est qu'il n'a pas été fini. La logique de Bouteflika quand il est arrivé, c'est de dire on doit structurer le pays en transport, en eau, parce qu'il fallait quand même enfin régler le risque hydrique. Il fallait mettre des aéroports, il fallait mettre des ports, il fallait tout construire pour créer une économie saine. La seconde partie qui aurait dû être finie, c'est la transformation de tout ça en économie productive. Et malheureusement, on n'a pas abouti parce que il y a eu du sabotage, parce qu'il y a eu de la corruption, parce qu'il y a eu des détournements. Donc aujourd'hui, l'Algérie se cherche un avenir économique. Alors sur le plan de l'agriculture, c'est une réussite, c'est une progression extraordinaire, mais malheureusement sur le plan industriel, on est très faible. Et c'est là que le président doit intervenir et faire en sorte, il l'avait dénoncé il y a deux ans, de sortir de l'économie de bazar pour faire une économie productive de richesse industrielle. Sofiane, on t'a entendu, je pense, quelques-unes des interventions tout à l'heure. Ceux qui sont hostiles et qui ne reconnaissent pas la légitimité du président Abdelmadjid Tebboune, qui a été élu et non pas nommé, comme on aime à le dire ici, contrairement à ce qu'on peut entendre dans la presse française. Un monsieur tout à l'heure nous parlait de vidéos faisant état de bourrage d'urnes. Sofiane, je l'ai rappelé tout à l'heure, tu peux peut-être me confirmer, il n'y en a pas. Moi, à titre personnel, j'ai pas vu. Et moi, j'ai l'habitude d'aller même dans les sites qui sont contre les élections, où ils sont à la limite même pour demander à prendre des armes. Par exemple, Ilyas Rahmani, je l'écoute assez souvent, celui qui a demandé à prendre les armes pour contrer ces élections présidentielles, à lyncher les policiers. Et c'est des gens qui sont écoutés, 100 000, 120 000 vues par 24 heures, par vidéo, ouais, malheureusement. Ouais. Et c'est des gens, ou bien l'Arbi Zetout, qui est à la tête du mouvement Rached, qui, à partir de Londres, fait des lives quotidiennement, qui appelle à bloquer les élections, et tout en disant, on reste Silmia. J'ai du mal à comprendre, ou à imaginer une Silmia, c'est-à-dire une passivité, en bloquant ou en murant des APC. Et ce qui a été remarquable, c'est que les services d'ordre ont reçu l'ordre de ne pas rentrer en confrontation. On a vu des commissariats saccagés, on a vu des postes de gendarmerie qui ont été attaqués, qui ont été lynchés même. Une vidéo avant-hier, j'étais en train de voir dans la rue Wilaya de Tizi Ouzou, où on a attaqué complètement un convoi de gendarmerie et on voyait des gendarmes en train de fuir. Ça, c'est en Algérie de 2019. J'espère voilà, qu'il y ait des mesures d'apaisement de la part du président pour les personnes qui sont emprisonnées à titre personnel pour l'affaire du drapeau, et qu'on nous a dit à longueur d'année que c'était un drapeau pour l'identité, mais qui s'avère en vérité un drapeau d'ordre politique. Et j'appelle tout le monde à aller voir juste un des sites, Congrès mondial de la Mazirité, pour voir le projet de la Temesra. C'est une confédération de plaines de fédérations nord-africains avec une couleur identitaire. Alors maintenant, je pense que beaucoup de dossiers vont sortir, beaucoup de gens qui s'autoproclamaient comme porte-parole du Hirak, ils s'avéreront que c'est des gens qui travaillent pour des agendas étrangers ou bien des agendas appartenant à des idéologies bien précises à l'encontre de l'intérêt de la nation tout entière, de l'Algérie algérienne. Alors, question de Abdeslam Itach, avant qu'on accueille notre dernier auditeur sur le sujet. Sofiane, bonsoir. J'entendais bonsoir. Justement par rapport à ces commissariats qui ont été cassés. Il y a un vrai dilemme là. D'un côté, on a un état de droit qui ne s'applique pas. Parce que toute personne qui se conduit de cette manière-là doit être arrêtée, poursuivie et condamnée. Et à côté de ça, s'ils avaient réagi, on aurait parlé de pouvoir oppresseur. C'est assez compliqué quand même. C'est ce que voulaient certains qui voulaient bloquer les élections, c'est de jouer avec ces images et de les véhiculer à longueur de journée, disant qu'il y a une oppression. Et même certains, si on écoute un peu le discours qui a été prononcé au Parlement européen suite à une demande d'une minorité qui est partie s'appauvrir au niveau du Parlement européen. On a vu Raphaël Glucksmann, qui est très connu de son appartenance, c'est un néoconservateur français, qui était derrière la révolution colorée en Géorgie, en Ukraine. Il a tenu ses propos à l'encontre d'une minorité chrétienne, d'une minorité, voilà. On voulait absolument rentrer dans ce débat. Les autorités ont décidé de prendre une décision de sagesse. 3500 postes où il devait y avoir des élections ne se sont pas tenus. Voilà, c'est des gens qui disent qu'ils sont majoritaires, mais en vérité, ils ont obligé les gens à ne pas aller voter.
Alors, ils ont insulté, et de l'autre côté, ils ont fermé carrément les appels. Alors, bouge pas rapidement, Sofiane, reste avec nous. On va accueillir Reda qui nous appelle. Dernier appel pour ce sujet, parce qu'on a, on a quand même largement consacré cette émission à ce sujet. Reda, bonsoir, vous nous appelez d'où, Reda? Oui, bonsoir, je vous appelle de Paris. Et vous faites quoi dans la vie, mon cher Reda? Je suis ingénieur. Ingénieur, allez, hop, là, un deuxième ingénieur. On vous écoute, cher Reda. Ben, je vous appelle en fait parce que je vous écoutais sur en voiture. Ouais. J'ai pas l'habitude de vous écouter, donc j'ai aucun préjugé sur vous. Alors pour vous dire, moi je suis pas contre les élections, mais je suis contre les élections qui se sont faites en Algérie. Du coup, que ça soit Tebboune ou Mihoubi ou autre, moi je ne peux pas accepter en fait l'élection qui a été faite contre l'avis du peuple, même si vous dites que la majorité n'est pas contre les élections, mais moi-même, j'ai manifesté en Algérie, en France, depuis le 22 novembre, depuis un an pratiquement, et j'ai discuté avec beaucoup de personnes, et les gens ne sont pas contre les élections, mais sont contre des élections qui ont été faites par le pouvoir algérien. Si on regarde les cinq candidats, c'est les mêmes en fait, c'est cinq candidats où il n'y a aucune différence entre les candidats. Et la majorité du peuple algérien et de la jeunesse algérienne, en sachant que j'ai beaucoup discuté pendant les manifestations ou même quand je me rendais en Algérie, sont contre cette élection et contre le système. Donc en fait, quand vous dites que le Hirak a gagné, non. Parce que le Hirak, on a marre de ce système, on a marre de Hagra, on a marre de se faire bouffer par ces généraux ou par ces pseudo-politiciens. Donc nous, le Hirak n'a pas gagné. En fait, nous, et quand vous dites, moi j'ai bondi de mon siège quand j'ai entendu, oui maintenant le Hirak qui reste, en fait c'est pour diviser l'Algérie. C'est pas possible de dire ça. Non, non, moi, on n'a pas dit ça, on a dit une partie. Non, Reda, j'ai jamais voulu, ne me prêtez pas ce que je n'ai pas dit. Et si vous parlez du MAC, effectivement il y avait des gens du MAC, et je le dis parce que j'étais sur les manifestations à République. D'ailleurs, les manifestations continuent. Il y a pas plus tard que dimanche dernier, il y avait beaucoup de monde, oui. et tout le monde et la majorité est contre les personnes du MAC. Est-ce que vous me permettez de vous répondre, Reda? Oui. Reda, juste qu'on s'entende et qu'on dialogue ensemble. Parce que je ne voudrais pas qu'on déforme mes propos. On n'a pas dit que ceux qui restent du Hirak étaient des gens qui voulaient diviser. Non. Qui restent du Hirak? Non. Si vous permettez, qui veulent pas. Si vous permettez, j'ai dit que parmi. Reda, est-ce que je peux en placer une, Reda? Reda, s'il vous plaît. On n'est pas dans un monologue. Est-ce que je peux en placer une? Et surtout pas. Reda, Reda, juste on s'écoute. Reda, juste une chose. Moi, je tenais à préciser. J'ai dit que parmi les gens du Hirak 2, il y avait des gens qui étaient d'une grande bienveillance à l'égard de l'Algérie et qui souhaitent que la réussite de l'Algérie. Et parmi eux, il y avait une autre partie qui souhaitait la destruction de l'Algérie. C'est une minorité. Quand vous voyez les manifestations, c'est vraiment une minorité. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'arrive à parler avec Reda, vous permettez? Est-ce que je peux finir une phrase? Reda, est-ce que je peux finir une phrase? Reda, est-ce que je peux finir une phrase? Je vous remercie. Oui. Moi, je vous écoute, j'essaie d'être d'une grande courtoisie, je laisse les personnes aller au bout de leurs propos, mais j'aime bien qu'on me laisse le temps de répondre. Oui, désolé, je vous écoute pas, je ne vous entendais pas, c'est pour ça que je continue. Je vous ai dit que parmi ces personnes, il y avait des gens d'une grande bienveillance à l'égard de l'Algérie qui souhaitaient que la réussite de l'Algérie, mais dans ce groupe-là, il y avait aussi une partie, alors vous dites minoritaire, je prends une partie minoritaire, mais qui existe quand même, et qui souhaite une fragmentation de la société algérienne. Donc, nous disons la même chose. Bouge pas, Reda, Sofiane Lakhdari souhaite te poser une question. Sofiane. Oui, je vous écoute. Oui, bonjour. Juste, moi, je voulais juste rebondir sur le fait de dire qu'on était pour les élections, mais pas dans ces conditions. Je tenais juste à rappeler que le chef d'état-major, au mois d'avril, il avait appelé l'ensemble de la classe politique algérienne d'aller dialoguer avec Abdelkader Ben Salah, et on a sorti le slogan « Nakash Hewar Mal Esabet ». Il n'y a pas de dialogue avec la mafia. Après, il y a eu le discours... Oui. Excusez-moi, juste le discours, le 8 mai...
le 28 mai, Abdelkader Ben Salah a appelé au dialogue de l'ensemble des classes politiques sans qu'il parle avec le chef d'État et de sortir avec une feuille de route pour les élections. C'est-à-dire, en vérité, le cadre qu'a donné l'institution militaire dès le départ, c'est que on reste dans le cadre constitutionnel pour éviter l'ingérence étrangère. Et seconde chose, c'est de sortir avec des élections et non pas par des nominations comme ça se faisait auparavant. Et là, oui. Le Hirak, dès le départ, les gens autoproclamés, oui. Les Bouchachi, les partisans de Mouattana, la Zoubida Assoul, etc., qui sont actuellement en prison. Pardon? Ça dérange aussi. En fait, quand on voit qu'il y a une centaine de résistants. Ouais. Parmi les gens qui disaient que l'armée arménienne, c'est un problème quand même. Pardon? Oui. C'est un problème si on emprisonne on crée des pseudo-élections en disant. En plus, en disant que c'est la démocratie et que ça a été fait en transparence. En sachant que j'ai vécu en Algérie, la transparence, si je peux me permettre, n'existe pas en Algérie. Récemment, j'ai écouté la radio et il y a des généraux qui ont été emprisonnés apparemment ou sanctionnés parce qu'ils ont soutenu Mihoubi. On va pas parler de Tebboune maintenant, mais il y a sûrement eu ça, mais bon. Mais moi, personnellement, si je peux vous répondre, s'il vous plaît. Qui ont été en prison parce qu'ils ont soutenu Mihoubi, c'est faux, c'est quasiment faux, ce que vous voulez. Non, 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 ils ont été sanctionnés, j'ai entendu. Donnez-moi un nom d'un général qui a été emprisonné. Donnez-moi un nom d'un général. Non, je me suis repris juste après. Donc, n'essayez pas de. J'ai dit sanctionné. Il y a eu un général ou deux qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont soutenu. Il y a 142 militaires en prison jugés par le tribunal militaire. 142. Voilà. Je suis désolé, on pourra éventuellement reparler parce que là on arrive à la fin de cette émission et il y a la pub qui approche à grands pas. Merci en tout cas Reda, vous avez pu vous exprimer tranquillement et vous pourrez nous rappeler évidemment. Mon Sofiane, je te souhaite une bonne soirée en tout cas. Bonne soirée à toi. Merci à vous. Et à très bientôt, mon Sofiane. Pas de chicha, c'est pas bon pour la santé. Écoute, une bonne chicha, tu vas voir Sofiane. Salut, obligé. À tout de suite dans un instant le quiz. Ouh là là, il est important ce quiz. Il oppose Abina, Abdeslam Itach. Il y a aussi Tarek Mami qui va essayer de mettre un petit peu de. Moi, c'est juste pour perturber le jeu. Mais la place de premier peut être récupérée par Abdeslam Itach. D'un demi-point, tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Tarek Mami, Gamal Abina, Abdeslam Itach pour ces quelques dernières minutes de ce grand forum qui se termine forcément par ce qu'on appelle le quiz. Le quiz. Quiz. Ah ouais, on a un jingle et tout, les gars. Vous avez vu un peu? Sur un G-Chat 3, là. Ah ouais, c'est bien, hein. Voilà. Alors, attention, messieurs, ça commence, parce que. Là oui, ça commence. L'heure est grave. Tebboune. Gamal Abina est en tête d'un demi-point. Et si Abdeslam Itach gagne ce quiz, il peut reprendre la tête. Avec un demi-point. Avec un demi-point. Et je précise qu'on fera un grand quiz mélangeant musique, plein de trucs, mardi. Pour la dernière émission de l'année, le 24 décembre. Ah, c'est alors, pour le titre de champion d'hiver. Voilà, c'est ça. Ah ouais. On remettra la coupe. Et là, il va prendre un RTT. Salam. J'ai ramené la coupe à la maison. Un rototeux. Ça veut dire pour lui. Alors, vous avez intérêt, Monsieur Gamal, à gagner aujourd'hui pour prendre déjà le. Un petit peu d'avance. Ouais. Ouais. Attention, je vous souhaite bonne chance. Première question. Ouverture à huis clos d'un procès en 1894. De quel procès chez Dreyfus. Bousquet. Dreyfus. Non, mais là, vous l'avez retiré. Aujourd'hui, je vais jouer. Je me l'avais retiré. Non, mais vous inquiétez pas. 1894. Le verdict a été prononcé le 22 décembre 1894. C'est monsieur Mami qui a marqué le point, là. Ah, mais absolument. Je le disais, mais oui. Je vous laisse. Ça fait 2-2. Dans la même situation, hein. 1-0 pour Tarek Mami. Deuxième question. 1934, en Espagne, quelle région jouissait d'un statut d'autonomie? Qui a pris fin le 19 décembre 1934 et la Catalogne. Oui, qui était une espèce de république. Absolument. Et Franco. Absolument. A mis la bataille d'Algérie. Un point pour Gamal Abina, un point pour Tarek Mami, zéro pour Abdeslam Itach. Qui devient président du Sénégal? Adiouf. En 1962. Non. Voilà, alors c'est la très belle Senghor. J'ai dit l'écrivain Senghor. Mais faut écouter. Bon.
On écoutera. Philippe, mon oreille m'indique que c'est Abdeslam qui a marqué le point. Non. T'as dit l'écrivain, j'ai dit Sangor. Non, j'ai dit l'écrivain, c'est Sangor. Christophe, tu verras, j'ai dit avant tout le monde. Non. Tu réécouteras, mais. Philippe écoutera et fera juge de paix. Un point pour tout le monde. Allez. Soyez fair play, les gars. Un point pour tout le monde. Quatrième question. 1964. Transfert des cendres de quelle personnalité? Jean Moulin. Jean Moulin. Jean Moulin, je vais t'en le dire. Avec un discours d'ailleurs émouvant d'un certain André Malraux. Absolument. Oui, absolument. Bon, ça nous fait 2 pour Abdeslam. 1 pour Tarek Mami. Et 1 en contestation. Et 1 pour Gamal Abidine. 5e et dernière question. Je cherche le nom du secrétaire d'État américain qui déclare Colin Powell. En 2002, l'Irak. Powell. La résolution 1441. Colin Powell. Il a raison. Pas de réponse. Mais sauf que comme il a gagné. Non, il y a pas de problème. Voilà. Alors moi je conteste le Senghor et je demande la VAR pour Senghor. De toute façon, avec ou sans Senghor, Abdeslam Itach l'emporte. Bah non, il a 2 points. Non, il a 3 points là. Non. Avec le VAR, il a 2. Il y a pas Senghor, ça fait 2. Comment c'est pas ça fait 2. C'est impossible 3. Non, avec le VAR, il y a 2. 1, 2, ça fait 3, il a moins. Non. Mais c'est logique, c'est mathématique. Non, mais ce que je veux dire, c'est si on enlève Senghor, il a 2. Oui, voilà. Donc il a gagné, quoi qu'il en soit. Mais non, il a pas gagné, quoi qu'il en soit. Si jamais il a pas Senghor et que je l'ai, ça fait l'égalité. Tu l'as pas. Voilà. Ah, bah ça, tu vas être très surpris. En tout cas, tu vas détester ce que je vais entendre. Moi, j'estime que je l'ai. Parce que j'ai dit à Doudou, après j'ai dit Senghor et Médiat. Non. Bon, on refera la barre. Merci à tous les trois. Rendez-vous. Et je reprends la tête. Non, pas l'arbitrage. Rendez-vous demain à 16h sur France Magazine 2. Bonne soirée, le journal tout de suite. Et dans un instant, Medjed pour la suite, à tout de suite. Les titres de l'actualité de ce jeudi. Le sud-est de la France se prépare à affronter un nouvel épisode méditerranéen. 21 départements sont ce soir en vigilance orange. L'inquiétude est forte sur l'est de la région PACA, déjà frappée cette saison à plusieurs reprises par les intempéries. Et puis pendant qu'à Matignon, on négocie sur la réforme des retraites, à la SNCF, on se prépare à affronter les vacances dans des conditions plus que particulières. Des milliers d'enfants se retrouvent sur le carreau après l'annonce de la fermeture du service junior et compagnie, inacceptable pour les associations d'usagers, vous l'entendrez. Enfin, malgré ce contexte, Noël approche à grands pas et vous faites peut-être partie de ceux qui cherchent le menu parfait sans trop attaquer un budget serré. On en parlera à la fin de ce journal. Un nouvel épisode méditerranéen attendu dans le sud de la France. Je vous le disais, 21 départements sont en alerte orange, 2 pour inondations, les Landes et la Charente-Maritime, 16 pour vents violents de la Côte d'Or à la Drôme en passant par l'Allier mais aussi dans le sud-ouest. Par ailleurs, 3 départements du sud sont en alerte pour pluies et inondations. Le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, des secteurs déjà fortement fragilisés par les précédents épisodes Cévenol. Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France. On peut avoir des cumuls qui dépassent les 100 mm localement. Ces pluies arrivent sur des sols qui sont déjà bien gorgés d'eau. Et en plus avec du vent, donc on aura des fortes vagues sur les départements côtiers. Et donc vraiment un épisode de mauvais temps assez marqué. Mais qui sera pas non plus durable puisque ensuite la perturbation va se décaler vers l'Italie et on attend donc une nette amélioration du temps pour le week-end. Des propos recueillis par Émilie Gébleu-Célimovic. Notez que par précaution, la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé d'ordonner la fermeture des établissements scolaires pour demain. Nouvelle tentative pour sortir de la crise autour de la réforme des retraites. Matignon accueille en ce moment même une réunion entre le gouvernement et les organisations syndicales. Réunion à l'issue de laquelle Édouard Philippe, le Premier ministre, devrait prendre la parole. Et pendant ce temps, la SNCF dévoile ses prévisions pour les 2 jours précédant Noël, les 23 et 24 décembre. La compagnie assure qu'à ces dates, plus de la moitié des 400 000 usagers auront leur train confirmé et garanti. Les autres sont invités à changer leur billet pour réserver une place dans un train dont la circulation est garantie. En revanche, ce qui est certain, c'est que 6 000 enfants ne pourront pas voyager. La SNCF a annoncé la fermeture du service junior et compagnie du 20 au 24 décembre. Une décision inacceptable pour Jean-Claude Delarue, président d'SOS Usagers. Pour lui, l'entreprise ferroviaire prive les enfants de fêter Noël avec leur famille. C'est cruel, parce que Noël, c'est quand même d'une part une grande fête religieuse, mais c'est aussi la fête des enfants. Alors décider de cibler les enfants pour ramasser quelques sous en plus et caser quelques
voyageurs adultes de plus dans les trains, c'est vraiment pas bien. À la dernière minute comme ça, la SNCF prend cette décision vraiment très peu de jours avant Noël. Elle laisse vraiment les familles dans l'embarras et puis les enfants qui pleurent ou en tout cas qui sont très tristes de pas pouvoir partir dans la famille. Donc je crois que c'est tout à fait inacceptable et je ne crois pas qu'il y ait de solution de remplacement facile, c'est sûr. Et la SNCF dévoile aussi ce soir ses prévisions pour la journée de demain. Le trafic s'améliore avec un TGV sur deux en moyenne et un intercité sur quatre. C'est une première. Un policier vient d'être condamné pour violence sur un gilet jaune. Le CRS de 44 ans avait lancé un pavé en direction de manifestants lors de la mobilisation du 1er mai à Paris. Le policier est condamné à 2 mois de prison avec sursis. À quelques jours des fêtes de fin d'année, on salive déjà en imaginant les huîtres, le foie gras et la bûche sur la table. Noël et Nouvel An, deux repas que certains attendent toute l'année. Mais pour d'autres, c'est surtout le casse-tête pour trouver le menu parfait et surtout pas trop cher, Alice Berthias. 156 euros, c'est le budget moyen des Français pour le repas de Noël, selon une étude Harris Interactive. Un peu moins, 123 euros pour celui du Nouvel An. Deux repas qui restent traditionnellement exceptionnels, même si cette année, 12% d'entre vous ont décidé de se priver de produits de luxe. Alors chacun a sa technique pour tenter de réduire la facture. Presque la moitié des Français cuisinent le plus possible eux-mêmes, surtout chez les plus de 50 ans. Et pour pouvoir se faire plaisir, 15% des Français choisissent aussi de partager la préparation des repas ou bien directement la facture. Et puis il y a ceux, et on en connaît tous, qui se débrouillent pour se faire inviter sans rien payer. Enfin, du sport en biathlon, Quentin Fillon maillé sur le podium. Le Français termine 3e du sprint, la première épreuve de la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand en Haute-Savoie. En revanche, c'est la déception pour Martin Fourcade qui échoue à la 12e place. Demain, début des épreuves féminines. Voilà, fin de ce journal. Bonne fin de journée à notre écoute. France Maghreb 2, France Maghreb.